trouve ça assez dangereux de laisser justement les écoles ouvertes. La seule solution que j'aurais, c'est d'appeler les grands-parents des enfants pour qu'ils puissent les gérer, tout simplement. Ce sera pas évident, mais bon. Et le niveau scolaire, il est en train de chuter avec. Je pense que déjà, la première crise, ils ont eu pas mal de retard, vu que c'était fermé, vraiment fermé. Donc je suis pour le côté qu'ils les laissent ouvertes, les classes. Hein. Que les vacances de Noël sont des moments où on se mélange, où on est en famille, où on se croise. La reprise a lieu le 3 janvier, voilà, tout juste après les festivités de fin d'année. Et pour le coup, si à un moment doit y avoir un rallongement des vacances, ça nous semblerait peut-être pertinent que ça soit justement de rallonger après les vacances pour peut-être avoir un temps d'une semaine où tout le monde reste chez soi, les enfants restent chez eux et on vérifie qu'on est en bon état. Ça permettrait à l'école de repartir peut-être le 10 janvier sur des bases saines.